Ozo accusé mouté pas tata naïe pour simbaté. C'est pourquoi ton loba qui boye, oui, ou bien ma grand frère naïe. Ok, quoi accusé, n'aille pas grand frère nanga, pour à osa nanga. Donc, on se l'a mouna wamok. Et donc, le grand problème, les amis, il faut chercher où il faut accuser Rwanda. Il faut accuser Rwanda entre les mains de Dieu et le Père. Oh. Mais oui, il faut même pas Rwanda. Quand je parle de Rwanda, dans les réels, il faut accuser Kagame et pas Nzambe Tata. Et Dieu est représenté au Congo. C'est comme ça que na yebisa kibino na lobaki awa. Moi, na mboka président Félix, aké le Congo na le grand prophète Emmanuel Dodi. Emmanuel Dodi a loba maloba. Kagame a koufa dans 3 mois. Ah. Mais oui! Parce que Kagame c'est un pharaon. Kagame Azali le Kiaba Mindele. Pour votre information, je vais révéler le compétent de l'invité. Est-ce que vous avez Kagame na Macron, Emmanuel Macron, Bangonyo Soba ou t'es pas Satan? Ah. Mais oui! Kagame est d'origine satanique. Emmanuel Macron est d'origine satanique. Sikoyo Congo est d'origine divine. Sikoyo président ya Congo qui ne peut accuser Bango, Mibale, Batbana ya Satan, ou Bazo, je la gérer par Satan. Voilà les grands problèmes. Kagame est d'origine satanique. Emmanuel Macron est d'origine satanique. Donc ce sont les gens d'origine satanique. Nous, les Congo et les Congolais, nous sommes les peuples d'origine divine. Voilà pourquoi on n'accuse pas pour accuser. On accuse pour avoir la raison, pour avoir le jugement, pour avoir la condamnation. Donc, Kagame mérite quelle sanction? Mon frère, un pharaon mérite quelle sanction? Il faut akoufa na katia mai. Maintenant, qu'on a koufa wana, Elingi Kolobani. Donc, vous devez consulter un Moïse de ce temps. Hein? Celui qui a été un homme fait Dieu. C'est celui-là qui a un bateau à commandement à Kobeta, c'est-à-dire à Kolobaka Kamaloba Awa Kagame Akufi. Emmanuel Dodi. Bonjour Mboka prophète Benjamin. Bonjour Ndekonanga journaliste. Merci beaucoup prophète Benjamin. Bonne bonne santé ya bonzambe kati na polo. Oui, santé ya bonzambe sous la houlette, sous l'impulsion, sous l'autorité sacerdotale des grands rois divins, le grand prophète Emmanuel Dodi. Tozali malamu parce que tokoti na dernière phase ou dernier trimestre ya mbula ezali trimestre ya ba fête de l'Éternel. Fête de l'Éternel, ça veut dire des moments très spéciaux pour de grandes prières, notamment les 10 oyo, les 10 ya 10e mois tozali na fête ya trompette ou des acclamations, et le 20 tozali na fête ya des expiations, c'est-à-dire les grands jours du pardon. Donc sous la houlette du grand prophète Emmanuel Dodi, Makambo e bombanaki na kati ya Bible ezo zwa sikoyo sens ndi yango moni ndi konangai olandaka ba kamunyo se balobaka ba prière nyo se lobaka ba symposium ba évangélisation ba campagne, mais oyeza campagne te ezali les fêtes de l'Éternel, c'est-à-dire ezali moment où Nzambe akitaka pona aya ko yano na biso biyano na biso. Et donc la santé prophétique. Je salue les affranchis nyos bazali mobilisés partout à on a Kinshasa, adresse les amants qu'on avait de la révolution numéro 817 limité 6e mairie résidentielle. Il y a peu à éviter ba congolais na ba congolais nyos ba kino bazali invité et pas ya Mosakoli Munene Emmanuel Dodi ba fête et bandi dim le 10 toza wana et le 20 toza. Oui, mais ça m'a sauvé à Bonzambé de sa solution. Solution à Congo, ils allaient d'abord à Bonzambé. Et à Bonzambé, ils allaient à l'adresse Moko et pas Emmanuel Dodi. Donc, tout le baba solo, mais il faut tout le monde d'abord à Massolé à Nzambé. Nzambé d'abord, il faut tout le monde. Makamounios, il faut tout le monde à Nzambé. Et Dieu a une adresse, c'est dans le corps Emmanuel Dodi. Merci beaucoup, prophète Benjamin.
santé ya mboka ya biso Congo. Ali moko ali mulobe ya mbaya mboka Congo. Congo sota mandeni na mboka prophète. Oui, ndeko journaliste ndeko na ibisa kio nazo marché ba moté Congo ezo tambola bien té. Congo ezo kende bien té. Na ibisa kio nazo loba lisusu Congo ezo tambola bien té. Et ba signe de temps ezo la kisake Congo ezo tambola bien té. Puisque yebi ke na lobaki na bino awa. Mokonzi ya mboka, président Bandeko, batika milimu ya kotambola ka libanda bakozwa eloko te na libanda. Yo lobaki na nga non, bazolo ka diplomatie. Où en sommes-nous avec la diplomatie? Il n'y aura rien à l'étranger, surtout à l'Occident. Na yebisa ki wa mboka ezo tambola bien té, ba enseignants bazo futa mate, ba na bazana kati ya bandaku, tu as vu les grèves. Ba manifestation et bandi ba matadi ba élève bani ko sala ba manifestation jusqu'à kobeta ba élève massacre. Donc le pays ne va pas bien, le pays ne va pas bien, il faut des solutions prophétiques et politiques. Mais quand vous dites que le pays notamment la bête peut-être qu'on dit ba vol au sala la tinamorte là par là vous voulez vous nier les forces diplomatiques qui a mon boka peut-être c'est quelle mon boka pour azo quoi qu'ils aient Rwanda dans la plus les tribus de lui que Rwanda n'est pas comme matisateur comme agresseur en boka na biso na boka même et à l'été moi et paix mon entier quand même mon frère ndengo lo bakana ngai que avec les prophétiques ngana zo tala na ndenge bino botalati quoi qu'ils aient Rwanda et j'allais bien je félicite et ça les combien d'années zo acquiser Rwanda et za malam mais problème est anini il faut koyé bakagame aza nani origine na eza nini Kagame uta wapi, batu azo kende kwa kize pa na bango. Notama baka, ba français, président Macron, président France. Français nini, ou bien Paul Kagame, na Macron, baza banani. Ba uta ki wapi. Siko yoko kende kwa kize, oyo biso tolo baka, ma bele, oke wa kize, na swahili wa benga ango kisulukulu. C'est-à-dire, et si comme abelé matabo yoki kwa kize bango le grand problème est ça ni diplomatie on est ko simba te parce que azo akende kwa kize Rwanda pa batata nae donc ozo akize mutwe pa tata nae ko simba te c'est pourquoi to loba ki boye oui ou bien ba grand frère nae oke kwa kize ngai pa grand frère nanga po aosa nanga to ko solo na mono kwa mok et donc le grand problème est ali. Il faut chercher où il faut acquiser Rwanda. Il faut acquiser Rwanda entre les mains de Dieu et le Père. Oh. Mais oui, il faut même pas Rwanda. Quand je parle de Rwanda dans la salle RR, il faut acquiser Kagame et pas Nzambe Tata. Et Dieu est représenté au Congo. C'est comme ça que na yebisa kibino na lobaki awa. Moi, na mboka président Félix, akende komo na le grand prophète Emmanuel Dodi. Emmanuel Dodi aloba maloba Kagame akufa dans 3 mois. Ah. Mais oui! Parce que Kagame c'est un pharaon. Kagame azali le kiaba mindele. Pour votre information, n'allez pas révéler le coup peut-être au yébite. Est-ce que yébite Kagame na Macron, Emmanuel Macron, bangonyo soba outa et pas Satan? Ah. Mais oui! Kagame est d'origine satanique. Emmanuel Macron est d'origine satanique. Sikoyo Congo est d'origine divine. Sikoyo président Congo qui ne peut accuser Bango, Mibale, Bakbana et Satana, ou Bazo, je la gérer par Satan. Voilà le grand problème. Kagame est d'origine satanique. Emmanuel Macron est d'origine satanique. Donc, ce sont les gens d'origine satanique. Nous, les Congo et les Congolais, nous sommes les peuples d'origine divine. Voilà pourquoi on n'accuse pas pour accuser. On accuse pour avoir la raison, pour avoir le jugement, pour avoir la condamnation. Donc, Kagame mérite quelle sanction? Mon frère, un pharaon mérite quelle sanction? Il faut akoufa na katia mai. Maintenant, quand on a koukoufa wana, elingi kolobani. Donc, vous devez consulter un Moïse de ses temps. Hein? Celui qui a été un homme fait Dieu. C'est celui-là qui a été un bateau à commandement à Kobeta. C'est-à-dire, à Kolobaka Kamaloba Awa Kagame Akufi. Emmanuel Dodi. Je vous dis,
Je suis l'incarnation des prophètes Simon Kimbangu. Chaque jour. Ce n'est pas des blagues. Si Ndeko Félix, solution est ami. Vous comprenez Ndeko Nangai. Solution est ami que Ndeko Félix accueille comme on a Kagame. Accueille comme on a Nani, le grand prophète Emmanuel Doni. Pour la solution. D'abord, tu n'as pas suivi comment la France nous a humiliés. La France a humilié Ndeko Félix, qui est le président de la République, donc a humilié nous tous les Congolais. Ça fait mal, mes frères, ça fait mal. Macron a humilié notre frère, le Félix Tshisekedi. Parce que quand Macron cite les pays qui sont agressés, il ne cite pas la RDC devant le Félix Tshisekedi. Lorsque Macron a joué sa déconnaillé Kagame, parce que Kagame Azali, d'origine, Kagame et Macron sont d'origine satanique. Je vais vous révéler quelque chose. Ça ne vous énerve pas. Vous, vous allez dans la francophonie, pays francophone. Rwanda est en francophonie, mais numéro 1 à Rwanda n'est pas géré francophonie. Donc, ils ont géré Bissot. On a Mouchoukouabo. Mouchoukoubao, ceux qui Mouchoukoubao. Ils ont géré Bissot. C'est-à-dire quoi? Kagame ne nous considère pas. Et Nani, Macron, Emmanuel Macron ne nous considère pas. Emmanuel Macron considère Kagame. Parce que Bazan a origine satanique. Na moi, si on a Mouchoukoubao, on a d'origine satanique. Parce que les Tutsi, ce sont les peuples, c'est un peuple d'origine satanique. Les Tutsi et l'Occident, c'est une partie du peuple occidental qui est devenu de Caïn. C'est le peuple d'origine Caïn. Ah. Oui. Kagame est le peuple d'origine Caïn. Emmanuel Macron est d'origine Caïn. C'est comme ça que le peuple d'origine Caïn au bazar na Occident, Bakabolaki, bas un peuple d'origine satanique, Bandekona Bango, bas Tutsi, bas Tindiki Bango en Afrique. En général, et au Congo, pour n'avoir qu'à éliminer, nous, les peuples d'origine divine. Donc, c'est ça le problème de consulter les grands rois divins. Pour n'avoir qu'à connaître Mama Kamonyo Souana, il faut consulter Emmanuel Dodi. Et c'est lui, celle qui en a la solution, parce qu'il a eu l'origine à Kagame. Il connaît là où il doit parler, parce qu'il ne parle qu'avec Dieu. Lorsqu'il parle avec Dieu, son Dieu, « Ah, mon frère, dans 3 mois, vous n'allez pas voir Kagame. » Bon, comment on a Kagame été? Dédé, le grand prophète va délivrer les politiciens, notamment Ndeko Félix Tshisekedi, à Golongolais, malade, à Zanango, à Kobi, qui ça y est. Quand il délivre, on va prendre une autre décision. Vous savez, la deuxième décision, c'est laquelle? Il faut qu'on kanga franc-maçon et le Mwana Congo. Ah. Oui, les 7 francs-maçonneries qui doivent quitter le Congo. Parce que Kagame et Nani, Emmanuel Macron, qui est le franc-maçon, Azako imposé franc-maçonnerie, Awa, et le politicien, Nabiso Bazo, Bazana franc-maçon. Mais oui, la présidence, Bazan Belé. Mais ils sont nombreux. Donc, il faut maintenant que Bengana, secte d'Abango franc-maçonnerie, qui est dans la Congoté. Puisque Kagame est en train d'humilier le Congo, comment vous entrez, vous êtes encore dans la franc-maçonnerie? Voilà pourquoi il faut venir recevoir la délivrance. La meilleure façon de chasser Kagame au Congo, ils allaient qu'on délivrer ma politicien en franc-maçonnerie. Ils allaient qu'on bengana secte na bango ya franc-maçon. Hein? Là, vous chassez la France au Congo. Pour chasser la France au Congo, il faut effacer la franc-maçonnerie au Congo. Il faut délivrer tous ces politiciens qui sont dans la franc-maçonnerie. Mais oui, tous les artistes et musiciens là, on ferme la franc-maçonnerie. Et les soins disant les artistes chrétiens qui sont dans la franc-maçonnerie, je connais tous. Ah oui, mais celui qui a le pouvoir de les délivrer, il est là, Emmanuel Doudi. Donc, je vous dis ceci, nous devons chasser la franc-maçonnerie au Congo, car c'est la franc-maçonnerie qui donne l'orgueil satanique de Emmanuel Macron pour soutenir son petit frère, son frère satanique qui est Paul Kagame. Et donc, mon frère, ça ne sert à rien d'aller perdre l'État en France pour rien. Il n'a pas la diplomatie, le Congo doit être dur. Et la vision de Dieu montre que les grands rois divins là. Je ne le dis pas pour rien, mon frère. Peut-être vous pensez que je suis en train de blaguer. Je ne blague pas. Je dis des choses sérieuses.
J'ai dit les choses, ça ne sert à rien. Oui, mais je suis sur le bateau. Photo en France. Oui, photo na franc-maçon, comment on appelle, francophonie. Moi, je dis non, c'est une perte de temps. La bonne manière de chasser la France, c'est de quitter la franc-maçonnerie. Mais batouba koko koko, quitter la franc-maçonnerie, pambake, il faut une puissance divine. Celle qui est capable de délivrer les gens dans cette puissance, c'est Manoli Dodji. Nan. Chef de l'État. Mais oui! Là, c'est là où il y a le problème. Comment le chef de l'État appelle Simboka na maboko ya Nzambe, mes présidents, batebele na présidence, na ma gouvernement, et le musus, ma musicien, ma politicien, bazo continue, kokende na franc-maçon. Oui. Oui. Mon frère, la seconde, la fois prochaine, na kwena posite le moko na moko. Na posite tous ceux qui sont dans la franc-maçon dans ce pays. Mais parce que c'est là où ça révolte, mon frère. On donne le. On peut se moquer comme un ensemble. Mais comment la toison qui est la franc-maçon? C'est comme ça qu'au monde, c'est que Kimbangu avait dit les dieux étrangers. Vous êtes en train d'adorer les dieux étrangers à l'état de la franc-maçonnerie? Dans Maïkari, depuis ma courrier et tous les autres. Oh, la France, sa force en Afrique, c'est la franc-maçonnerie. Parce que c'est les dieux français. Quand vous êtes de la franc-maçonnerie, vous êtes en train de soutenir Emmanuel Macron, le dieu français. Et le dieu français, c'est le dieu satanique. Le dieu de la franc-maçonnerie, c'est le dieu satanique. Les Congolais, les Africains, vous devez quitter la franc-maçonnerie. Mais vous ne serez pas les quitter ainsi, sans une puissance divine. Et cette puissance-là est au Congo. À une seule adresse. Voyez le grand roi divin, Emmanuel Dodji. Un grand prophète est arrivé. Un grand prophète est à Paris, Dieu visite son peuple. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je vous invite à aller consulter celui qui en a le pouvoir. Nekonabiso Félix Tshisekedi, la véritable diplomatie, président de la République, c'est mon frère, c'est Nekonabiso. Président, oui, président de la République, il faut venir consulter le grand roi divin pour qu'il nous délivre, qu'il vous délivre, qu'il délivre tout ton entourage de la franc-maçonnerie et. Ainsi, à Koloba. Mais oui, la franc-maçonnerie, nous sommes là. Moi, je suis délivré la présidence de la franc-maçonnerie. Je suis là, la franc-maçonnerie, nous sommes là. Ma maison, nous sommes franc-maçonnerie, nous sommes là. Et vous allez voir, la France va se prosterner devant les dieux du Congo. C'est qui? Ah, les dieux du Congo est représenté par Emmanuel Dodji, le Christ au milieu de nous. Ah oui, le dieu du Congo. C'est lui l'éternel des armées. Le problème est comme une souka, la solution est là. Le Dieu du Congo, l'éternel des armées, l'éternel qui, parce que là où on célèbre les fêtes de l'éternel, est représenté par son fils, par son Christ, Emmanuel Dodji. Et donc, je vous dis, mon frère, ma diplomatie, wana nyo sonne na yusakayo, et coupé saka et l'okote, et zombe bisaka tambongo ya Congo, et yoko fouta ba enseigna, et yoko fouta ba ndeko moussousou, nous, ba grève partout. Mon frère, le président Félix Tshisekedi, arrêtez les voyages à l'étranger. Arrêtez ces voyages-là. N'ayez dit ça qui est okay, la fois passée. Et ils allient envoûtement des esprits étrangers. Au moins, ils ne sont pas les gens qui en France. Parce que ces gens-là sont les mêmes. Tous, ils sont contre les Congo. Mais nous, nous avons qu'un seul Dieu, l'éternel, hein, qui est le représenté ici au Congo. C'est quand vous lisez Esaïe 18, vous comprendrez. Nous sommes un peuple fort, puissant, qui écrase tout. Il faut que nous arrivions à écraser la franc-maçonnerie, les Maïkari, les Primakuria, les Occidentaux, les Tutsi. Tous ces gens-là doivent être écrasés par la puissance de la divinité congolaise qui est représentée par Emmanuel Dodji. Voilà pourquoi je vous dis, quittez la franc-maçonnerie. Venez voir Emmanuel Dodji. Il dira un mot. Je vous dis ceci, dès que le président de la République raconte le grand roi du vin Emmanuel Dodji, ça ne passera pas 3 mois. Kagame va mourir. Hey. Oui, je signe Kagame va mourir. Et ensuite, on va gagner cette guerre-là. Toko kota na Rwanda, toko anese Rwanda comme na Congo. Ah. Oui. Naza koke bisaba Congolais, de konanga journaliste bine bolini kolobate, makamba ba vaxe wana ba yele biso isa lokuta. Et puis, il faut te raisonner, te réfléchir, te réfléchir, hein?
yozo le bakke vaccin malade zobo manini. D'abord nanga na biso boye. La parole de Dieu nous dit ceci, que la nature vous enseigne. Comment mindele, hein, ne konangai. Oyo baso pour ko condamner kagame te, kagame zobo mabiso chaque jour. Ko le kaso disant malade na bino bozo lo bawana. Kagame zobo mabiso chaque jour. Mindele baso condamner été, ba français, ba belge, ba américain ba condamner été. C'est comme Mindele, on a débattu la mission vaccin. Non, il y a un piège là-bas. Piège, c'est à dire que Mindele, on a besoin de vaccin, on a pour la bague de ma mission, pour la cadane à régner, n'a pas tout n'a rien à Katia Congo. N'a pas de connaître à Mindele, va régner à Katia Congo. Bali, n'y va sur sa mission. C'est pourquoi je m'excuse. Comment la commandante a vaccin à mon nord Kif? Non, sur Kif. Pourquoi? Là où il y a la guerre, les gens meurent encore, barré, 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 vaccin à Bango. C'est, je dis ceci, moi le prophète Benjamin Kawanga, moutoua contre la vaccin à la tête, ma contre sa banane sur la vaccin à la tête, et ça va vaccin satanique. Ce sont les vaccins. Mais oui, malade de Rousseau Kanangoni, je vous donne le vaccin divin. Ah. Oui, le vaccin divin est là, est venu avec Emmanuel Doud. C'est la belle confession de foi. Mes frères et sœurs, venez recevoir que la belle confession de foi. Et le qui vaccin? Bah, on a dit que la belle confession de foi est le qui vaccin. Vaccin, on est satanique. La belle confession de foi, qui est une prière sacerdotale amenée par Emmanuel Dodi, est plus que le vaccin. Et vaccin, ça a l'importance. Balingi va exterminer le peuple divin que nous sommes. Mais, Bakoko Kate. Parce que nous avons la 4-4 la mission. Au moins, il m'a quand même dit que le chaos de Koranga journaliste. Et ça n'est même histoire les cas dans Israël, dans Israël. Tant que Yeshua soit botami, le roi Hérode est salaki négri. Abanaï kolouk, abanaï koboma bana. Ozomona, aboma ki bana pour aller abanaï kolouka, Yeshua Christ. Kolo Yeshua, pour nasa nini, aboma ye. Et heureusement, comme une zamba salaki de amaye, comme une zamba salaki en avance, Yeshua a été déjà koboma dans l'Egypte. Ndengeza awa, Bango bazo lukande baboma kongole nyoso pona parce que l'étoile oba manje baba me kolanda à l'époque l'étoile là est kungu et l'étoile là avait déjà pris corps par le corps Emmanuel Dodi. Et donc mon frère, mes frères et sœurs, makambo ya ba vaccin wana ezali satanique to boyango ba mindele ba na eloko ya malamba ko ela bisoté. Ce qui m'a dit que le malamba koye la biso, il fallait d'abord que nous condamnions Kagan. Bakanga Kagan. Parce que Kagan tue les gens par leur complicité. Mais mes vaccins, ils allaient pour la koboma. Kagan a zo koma ba mou ebele. Trop c'est trop. Et donc, ba vaccin wana, plus que ce ba vaccin wana. Tozali na tango oyo. Biso zambe tata, asa tinde le biso mou tinda minayi. Donc, Ozali, il y a la solution, nous sommes. Ce qui est une belle confession de foi, mon frère, et l'équipe a vaccin. Nous sommes. Si vous avez un numéro, vous avez un bisabino, vous avez un bisabino. Plus 243 85 67 0 34 56. Plus question d'aller perdre du temps à l'étranger. Mon cher frère et le président de la République, mes frères et sœurs, le fait de s'être organisé à l'honneur de l'Éternel. Cette terre ici, elle est déjà visitée, la terre congolaise. Venez rencontrer le grand roi divin Emmanuel Doute. Nous sommes sur Chizé de Mairie, avenue de la Révolution numéro 817. Les fêtes commencent. Les 10, nous sommes là. Les 20, nous sommes là. Et les 13 aussi, ça sera dimanche, la nouvelle nuit. Je donne. Je salue tous les affranchis et toutes les affranchis qui sont partout dans l'humanité, en France, maman Mireille, aux États-Unis, partout, au Canada, Marie-Claire et les autres, mes frères qui sont en Angleterre, les pasteurs, bienvenue, et les autres en France, sans oublier mon frère bien-aimé, papa Fulbert, et les autres, tous les affranchis, bonne fête, les bonnes fêtes. De la fête de l'Éternel. Que le Dieu de notre Père, Emmanuel Dodi, vous bénisse. Merci.